Vous avez Monsieur Rabbani. Rabbani, que vous le connaissez bien, Rabbani, à la fin de sa vie, avant qu'il soit assassiné, il avait commencé à se éloigner, si vous ne savez pas, je vous dis, puisque j'ai parlé avec lui plusieurs fois, pas interview, en privé, puisque je le connaissais bien, comme je connais ce monsieur-là, Golbodin Lekmatyar, actuellement taliban en Iran, en Afghanistan. À l'époque, quand j'étais à Mashhad, j'ai rencontré ces gens-là, et on les a accueillis chez nous, avec le dirigeant actuel, à l'époque de Shah d'Iran. Bon, enfin, je veux vous dire, monsieur Mastan, même monsieur Rabbani, on l'avait assassiné, puisqu'il avait commencé à dire que l'islam ne peut pas gouverner. Écoutez bien, puisque je sais que vous aimez beaucoup Rabbani. Mais à vous, jamais il n'aurait pas dit ça. À vous, jamais il n'aurait pas osé ça. Parce que lui-même, comme commandant Massoud, une fois, il a dit...